And ladies and gentlemen, je vous propose d'accueillir maintenant Amiral Sacha. On voyait sur ces images sa victoire dans le prix Jockey à quelques jours en effet du Critérium des 5 ans. On aura pu parler aussi de sa victoire dans le prix des Ducs de Normandie où il s'offrait le luxe de battre qui ? Aubryon du Gers en personne. Eh bien, ce cheval a défait celui qui a réalisé une année 2018 exceptionnelle et qui est peut-être l'un des meilleurs trotteurs d'Europe à l'heure actuelle, Aubryon du Gers. Amiral Sacha l'avait battu dans le prix des Ducs de Normandie. Il avait gagné aussi le prix Chambompé, le prix Henri Lévesque, le prix Jean Le Gonidec. Et là, je ne fais que citer les courses de groupe 2, car dans sa carte de visite, cet Amiral Sacha présente tout de même 14 victoires. Le voici maintenant donc en qualité d'étalon. La carrière de course est terminée. Il a déjà démarré sa carrière d'étalon depuis 2015 et compte déjà des vainqueurs chez la génération des G. Non, pas de vainqueurs encore, mais des chevaux qui ont pris des gains. Et on attend très vite, bien sûr, les premiers vainqueurs. 16 produits qualifiés en ce qui le concerne, cet Amiral Sacha, et des chevaux qui nous ont déjà pas mal plu en course. Le pédigré, Ganymède, Nostalgique Sacha, la maman, par Gut Malswood. Et avec Émilie, on va reparler donc du Haradu.